Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis trop contente parce que pour la première fois de ma vie, je vais avoir un match de Ligue des Champions en vrai au Stade Bollard de Lens. Ils ont déjà joué en Ligue des Champions à Séville, mais à Bollard c'est la première fois. J'ai jamais vu un match en vrai de Ligue des Champions, j'ai trop hâte. Je vais pas aller chez moi, ça change parce que je rentre de cours et j'avais pas le temps de rentrer chez moi entre deux. Ça aurait été trop chiant. Du coup, j'en profite pour aller faire un petit tour à la boutique. Sinon, côté groupe Lensois, il n'y a pas de gros absents. Je sais que ça va être un match très très compliqué. C'est le match auquel je crois le moins des trois en la victoire. Mais vu qu'on est reparti sur une bonne lancée, j'y crois quand même. Voilà, on va aller voir le nouveau maillot de Ligue des Champions, à quoi il ressemble. Et je vais vous montrer tout cela. On se retrouve à la boutique. Hey, Thomas, t'es dans mon téléphone? Bon, du coup, les jeunes, ils viennent de gagner 1-0 face à Arsenal. J'espère qu'ils vont faire pareil les pros ce soir. Il y a un petit peu de monde pour l'instant. On fait la queue pour attendre pour le maillot. Il est incroyable. Il n'y a pas de lumière. Il est incroyable, je suis obligée de le prendre. Regardez-moi ça. En fait, j'ai un peu fait exprès de ne pas prendre de t-shirt. C'est pour ce soir, pour me donner envie de le prendre encore plus. Après, genre, j'ai vu cette veste. Bon, on va pas se mentir, les couleurs c'est pas ouf, mais elle fait un peu vintage et tout, j'aime bien. Du coup, je voulais juste l'essayer. Je vais pas la prendre maintenant, mais au moins je sais qu'en vrai ça me va. Et puis au moins dès qu'il pleut, hop, et je suis toujours en sang et or. C'est bon, je l'ai, je suis trop contente. C'est symbolique de fou parce que premier match en Ligue des Champions, premier maillot de Ligue des Champions. Parce que les autres, j'ai jamais réussi à les trouver sur les sites de revente là, des maillots vintage. Du coup, celui-là, c'est mon premier, pour le premier match que je vais voir en Ligue des Champions. Je suis trop contente, j'étais obligée de l'avoir en fait. Damien, oui. T'as vu notre nouvelle voiture avec Thomas? Elle est belle, hein. La vache. C'est la voiture de Damien. Regarde, en plus, on a mis Piccolo, Marie, elle est fan des Piccolo. Bon, du coup, là, il est que 17h30, on a encore pas mal de temps à attendre avant. Je suis trop contente du maillot. Et je l'ai pas floqué parce que je sais pas encore qui mettre derrière, il y avait du monde de flocage. Le stade dans 15 minutes, on s'est dit on va faire la queue. Il y a déjà du monde de fou. J'ai jamais eu autant de files d'attente à faire. C'est bon, on arrive au stade. Je crois que je me rends pas compte qu'on va jouer un match de Ligue des Champions. Je suis trop fière. C'est un truc de malade. Je vais regarder le stade. Tout bleu là. Je me rends pas encore bien compte que c'est la Ligue des Champions. Je crois que je vais me rendre compte quand on va réentendre l'hymne. Là où il y a les... Je commence à m'en rendre compte parce qu'ils ont mis la musique et regardé l'image. Et bonjour. Et salut, c'est moi. Ton pronostic. C'est Dangerance. Venez vous abonner à moi. Ton pronostic. Et moi je dis 2-1. Parce que faut qu'on les batte. Moi je dis... Toi tu dis combien? Victoire. Je sais pas, tous les matchs. Moi je dis qu'Arsenal ça va être très très dur et que ça, si ça fait 1-1, je suis super contente. Mais moi je veux pas perdre. Donc, du coup, je voulais vous montrer la compo de base. Regardez. La compo est sortie. Samba, capitaine, Machado, Danseuf, Dosamel, Sotakuka, Wai, Medina, Grady, Mendy, Thomasson, Frankowski. Je suis super contente que je viens de capter un truc. Ils ont reculé le terrain. On voit plus la ligne du tout, du coup. Et il y aura genre 1000 photographes devant nous. Donc je ne veux pas tout mettre tout en bas pour une fois. Regardez. Je vais rien voir. C'est chiant d'être petite. Tous ensemble, hey, tous ensemble, hey, tous ensemble, hey, tous ensemble, hey,
de fou à la compo. Ça fait un peu peur tout ça, mais bon. On va les niquer là. Thank you.
incroyable, ça c'est bien ça. Voilà.
du coup, c'est la fin du vlog. J'ai encore du mal à me rendre compte qu'on vient de battre une équipe de première ligue, de genre de podium de première ligue. C'est juste incroyable. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je me disais que le match nul contre Arsenal, ça serait super. Et au final, on gagne. Donc, franchement, j'ai même pas les mots. C'est incroyable. Avant que j'oublie, à la fin du match, j'ai vu le papa de Bastien qui a regardé mes vidéos et il m'a demandé de te faire un petit coucou. Alors, coucou Bastien, tu dois être super content qu'on a gagné face à Arsenal. C'est juste incroyable. J'espère que le match t'a plu, j'espère que le vlog va te plaire. Il n'y a plus de lumière. C'est un truc de malade mental. L'ambiance était incroyable. Le stade, il était chaud bouillant. Je pense que vous avez dû voir sur les vidéos. Sur le but d'Eli Wahi, le stade a explosé. Je me suis ramassé la gueule. Et à part ça, on s'est bien battu. C'est un plaisir de voir une équipe comme ça. On ne peut que gagner le derby ce week-end. D'ailleurs, nous, on se retrouve pour le derby. Je vais finir sur ça. Bonne soirée tout le monde, bonne nuit tout le monde. À dimanche.